Je sais que personne n'imagine à quoi ressemble notre vie dans les montagnes. Beaucoup de mes patients travaillent à la mine. C'est un boulot dangereux. Et ce sont les mineurs qui portent cette nation à la force de leurs bras. Ils souffrent. Ces braves gens, mes patients, m'ont fait confiance. C'est horrible de voir combien d'entre eux sont morts. On est sur un scandale monumental. L'oxycontin. Purdue Pharma a lancé un médicament prétendument sans risque d'accoutumance. Ce qui est mensonger. Tous vos praticiens vont vous demander comment un tel miracle est possible. Votre meilleur argumentaire tient seulement en ces quelques mots. C'est moins de 1%. Moins de 1%. Moins de 1%. Moins de 1. Ils m'ont dit que moins de 1% des patients deviennent dépendants. Si l'oxycontin est aussi merveilleux que je le crois, ça pourrait être le premier produit Purdue à dépasser le milliard de dollars. Purdue continue de mentir sur les effets secondaires aux gens, aux médecins et à la FDA. C'est une énorme escroquerie. Les niveaux de dépendance, d'overdose et de délinquance sont en hausse dans tout le pays à cause de l'oxycontin. Vous pensez que ce médicament pourrait être légèrement plus addictif que vous ne le dites? Je peux plus vivre comme ça. Notre communauté est le point de départ d'un vrai fléau en passe de gangréner tout le pays. Purdue ne bougera pas, à moins qu'on frappe fort. Ce n'est pas notre faute si ces gens tombent volontairement accros. Je veux que les dirigeants de la boîte aient mal. C'est crucial qu'ils le comprennent bien. Nous avons créé le meilleur médicament antidouleur que l'humanité ait jamais connu. J'en ferai le médicament le plus important au monde.